Gen yon parol ki di kon sa, pa jam touye tèt ou pou pwav kiche, pou lèl bon mache, pou baka achete l. Prezidan Luis Abinadel kontinye pran lide peyi d'Ayiti yo pou yon ban san karakter, pou moun ki bagen nen an figi yo, pou moun ki bagen kolon vertebral. Hein? Li pran nou pou yon plein coin. Nan installation président Luis Abinadel pour deuxième mandat sa tout prend là, li invite pays d'Haïti vin assister cérémonie investiture nan pays Saint-Domingue. Pourtant Saint-Domingue ferme toute ligne aérienne yo avec Haïti pour avion pas ni entrer ni sortir. Avion pas ka entrer Saint-Domingue, avion pas ka sortir Saint-Domingue pour aller Haïti. Qui j'en ai-je pas fait aller? Pour ne pas aller là, c'est un scalp pour ta faire dans notre pays pour traverser ces domaines. Où t'as déposé? À qui figue? À qui intérêt? Abinadel voye invitation ça dans le pays d'Haïti. Où est-ce que ça va aller? N'est-ce que tout mettre démissionner? Hein? Parce que va régler en rien. C'est un tchoul, on va pas Haïti lui. Entre temps, comme vous bien, comme un chef, kap jere troupe Kenya li démenti information journaliste yo te bay sou question police nationale d'Haïti ki sécurise officier Kenya yo pour te sauver yo en bas balbandi pendant opération Gantier. Regozé li démenti information ça famz ou bien nek Kenya ou ban pile menti avec journal nan pays yo. C'est pour laquelle nous toujours ouais dans Kenya depuis au met pied à terre premier ça au fait yo aller téléphone nous filmer pour ka bail journaliste dans pays Kenya au menti pour ka dit oh ou t'aime pile là c'est un territoire perdu nous fait récupérer là pour t'aimer menti. Regardez vidéo ça jusqu'à la fin pour avoir plus de détails et précision par le channel ça c'est production 509 de pour les abonnés peser sous cloche notification retirer sous personnalisme sous tout pour les nagon vidéo pour pas rater. Et bien attendez non. Nous tout connaît te gen élection dans pays Saint-Domingue. Côté Luis Abinadel te remporté élection ça. Nous connaît si Luis Abinadel remporté élection et il gagne un jour pour le ca installer. Et bien attendez non. Luis Abinadel a installé officiellement pour deuxième mandat ça qu'il prend là dans tête République Dominicaine dans jour qu'à vendredi 16 d'août qu'a vini là mais dans sens ça yo voyé invitation par conseil présidentiel là pour venir participer dans cérémonie investiture Luis Abinadel. Vous déposez yo voyé invitation par président conseil là qui c'est égal et blanc fils pour venir participer pour venir assister cérémonie investiture Luis Abinadel pour deuxième mandat ça li prend kounya là étant donné de qu'on habite voyer invitation ba nous question qu'a posé qui Jean égal et blanc avec équipe li pour participer dans la cérémonie investiture Luis Abinadel là. Puisque nous connaissons, Saint-Domingue ferme toute ligne aérienne avec Haïti depuis plus passé 6 mois. Pour égaler blanc fils, tu arrives à participer dans la cérémonie si là, faut que tu fasses scale. Faut que tu prennes un avion pour faire scale dans l'autre pays avant d'arriver à Saint-Domingue. Pourtant, son on madlo qui sépare Saint-Domingue avec Haïti. Peut-être ça, c'est dans l'information qui vient de moi, Haïti papka gen représentant dans la cérémonie si là. Ça son fréquentité, ça son déspectant. Si Edgar Leblanc fils ta manqué pour avion, al fè skal nan l'autre pays pour participer dans la cérémonie investiture Luis Abinadel, mi se met tout démissionner en tant que président. Ça son reste avec le tapier. Abinadel fait fréquence depuis sous bay canal là. Abinadel a fait fréquence avec nous. Yo fermé frontière avec nous.
pour plusieurs mois. Depuis les bandits t'ont attaqué fermé Ariel Henry de yo, yo vinn arriver fermer toute ligne aérienne yo. Avion va voler parce que bandits t'ont tiré sur avion. Et puis passé 6 mois. Kounya ou vinn inviter Egalibre fils pour vinn participer nan cérémonie installation pour deuxième mandat. Ou va prendre là, ou va installer dans tête pays République Dominicaine. Malheureusement Haïti pas là. Haïti pas ka présent dans cérémonie investiture Luis Abinader là parce que toute ligne aérienne yo fermé avec Haïti. Kounya là pour Luis Abinader recevoir Haïti dans cérémonie ça, faut qu'il ta ouvri toute ligne aérienne yo avec Haïti pour avion ka sorti Haïti traverser Saint-Domingue pour avion ka sorti Saint-Domingue traverser entre Haïti. Mais tout autant ou pas ouvrir ligne yo là Luis Abinader pas ka présent. Malheureusement Abibi nous pas ka présent. Nous pas ka présent parce que frère Konye ou pas ka fermer porte la caou nan figim après ça pour inviter nan fête. Mbati grand goun, mbati chien, mbati souf kout. Kounya va dire oh oui porte la fermé sous capable déclouer feuille-toile déclouer feuille-toile là pour entrer sous capable passer dans fenêtre là passer dans fenêtre là pour entrer mais non bon grand bailleur fermé dans figi me passer dans fenêtre pour m'aller ce sont des spectateurs ça relé gratté en tant que président pays d'Haïti égal le blanc fils pas capable passer à faire scale dans l'autre pays pour venir dans cérémonie d'ailleurs. Haïtien nous va être bien dans la caille nous. Qui ça égale blanc pour le faire dans pays d'ailleurs nous la coucou rouge dans des haïtiens même visa nous pas vivre haïtien yo. Qui gens égale blanc fils pour le faire participer. Non ben match avec ça. Non fait qui pas même gibay senti bon la donne. Yo pays pas même traiter haïtien bien pour n'a voyer invitation bay président nous. Malheureusement, on président de toute façon qui s'est égalé d'un fils. Mes amis, papa là, pour le temps là, faut tout compte ta réuni. Si le temps là, non la parole que mis en prend, si tout fait la gen micro, faut le temps dit je dis là, présence moi là, m'vini dans cérémonie investiture Luis Abinader, m'a tout profité demander visa pour haïtien yo et ceci cadre de travail. Haïtien nous qui prend mauvais traitement dans pays Saint-Domingue, c'est il est temps pour nous gérer Haïtien très bien pour nous avoir valeur qui ont mérité et ça en bon président s'il t'a parlé là et ça vous t'a dit et ça vous t'a dit mais malheureusement nous connaissons ça là son bon nèg qui s'est resté avec qui oui et pas dit en tout cas nous tendez nous ouais qui gens Luis Abinader a continué à faire avec nous. Il prend l'idée nous pour yon plein coin. Il prend l'idée nous pour un sans caractère qui va gagner dans la figure. Nous, ouais. Et fréquent ça, on va faire mes portes dans la figure. Après ça, on va dire, voisin, mes vidéos en fait, oui. Comme la porte la ferme, nous avons fait une porte là. Si on passe dans la fenêtre là, passe dans la fenêtre là. Ça, c'est fréquentité. Fréquent, monsieur fréquent. Bon. Comme Haïti pas qu'à présent, ligne aérienne nous ferme, tant mieux. Nous pas là. Ça besoin nous là, comme par exemple le jour, si je dis à Emma, dit qu'il 13 d'août, et que c'est vendredi, ou bien pour installer, vendredi cap 16, pendant mardi, elle a fait mercredi, jeudi, vendredi, avant vendredi, ou qu'elle a ouvert ligne aérienne depuis demain, si tu veux, jusqu'à nouvel l'autre, qu'elle a ouvert là. Et puis tout le comme les pays ont fait les insécurité et comme insécurité a toujours là si bandio comme et aéroport international tout seul vertu avait toujours vol la donne m'ba pour ça toujours quitter ligne fermé bon en tout cas femme dit bien et na Kenya eux-mêmes yo campé sous foulay yo campé sous ba menti yo campé ne passer haïtien dans risible comme les Kenya sont bonne foulay sont bonne qui viennent passer vacances. Dans le pays d'Haïti, femme du bien, et commandant en chef, et qui a géré tout le Kenya, femme du bien, c'est 400 officiers Kenya qui l'a,
dans fin mois d'août là, on croit que a gagné Jamaïque qui cap entrer, a gagné l'autre qui cap entrer tout, chiffre après augmenter. Tandis non. Commandant en chef cap gérer troupe Kenya, il fait gros déclaration à travers ça cap dit dans journal yo, dans les nouvelles, ça cap dit dans médias sociaux yo. Tandis non. Commandant mission c'est dit cap gérer troupe là. Il dit c'est pas vrai du tout. Pour sa soldat d'Haïti, pas de poté nous, c'est coup. Pour nous te quitter Ganti. C'est nous-mêmes, avec force courage nous, avec tactique nous, pour nous te sortir Ganti. Et vous faites des garçons ça, sous une source crédible, qui c'est Miami Herald. Kounya là, si n'est Kenya yo, yo dit, c'est pas police nationale d'Haïti qui te sécurise yo pour te faire sortir, pour te sauver pour yo en bas bal bandi nan gantye. Mais m'ap tann nek Kenya sa yo avec vidéo nous gagne déjà n'ta me faire une analyse de vidéo ça puis tout journaliste mete et Miami Herald yo yo gen question pour ta poser avec des sinité là yo te wè mise nek Kenya t'a passé en bas bal bandi pour te sortir en l'hôpital général gen courir qui tes amis yo. On va lâcher nous. Tenez nous. Dans un article, oui, ça écrit. Un article qui sorti dans Miami Herald. Jodi mardi à la même, qui c'est 13 d'août 2024 là. Chef gang, regardez, chef mission Kenya, voyez jeter toute information qui fait quoi? C'est policier haïtien yo qui t'est venu porter au secours les gangs exam yo t'a tiré sous yo pendant une opération dans Gantier. Hein? Ce chef là qui c'est Godfrey Otunge, hein, Godfrey Otunge qui dit pendant opération ça qui était déroulé dans mois passé là dans Gantier, c'est tous les défenseurs yo haïtiens Kenya qui était riposté ensemble. N'a rappelé ça, c'est rédacteur en chef journal Le Nouvel Isa qui c'est Franck Duval qui était bail et façon ça. Et moi-même, tout me déguisant parler de lui, nous te vois ça te passé dans l'hôpital général. Et nous avons fait bien. Si rédacteur Le Nouvel Isa qui c'est Franck Duval fait des garçons ça, c'est qu'il confirme ça le dit. Et moi-même, déguisant confirmé avec image. Mais t'as déguisé. En tout cas, il y a côté bail menti. Moi-même, le cap moi malé. N'a croisé dans prochaine émission pour qu'on vienne de ton autre dossier. Maintenant, qu'il y a ça yo. Dans l'opération qui a gagné, je m'appelle, je vidéo, je image, même si je n'ai pas gagné, faire plus bien, c'est manger. Et manger, je viens manger. Dans la base, la plus bonne opération qui fait, manger, je viens manger. C'est vacances qui viennent passer, c'est soleil là, je viens prendre, petit bien là, mais yo, aller dans la piscine, y a là, il y a quand de base, leur sorti, bala pété, tête chaud, y a coupé tes amis à terre. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour qu'on ton l'autre dossier par Bichan de ça. C'est Prodisso 69, on est pour liker, abonner, peser sous cloche notification, retirer le sous personnalisme de sous tout pour les nouvelles vidéos pour pas rater. Nous allons parler avec Maître Sonnet Saint-Louis, et qui lui-même, c'est un avocat qui a assuré ou bien cap assuré, c'est une gardienne qu'on s'est guerrier du seul. Défense. Et défense Maître Raoul bien lui. Ok. Oui, c'est une correspondance qui soutient bas coup de plume avocat qui est dans le prétoire, c'est ça, cabinet d'avocat, avec signature Maître Sonnet Saint-Louis, avec une balise égadée. Et décision gouvernement prend pour évoquer mettre M. Pierre Luya dans le contexte côté de dénoncer trois conseillers présidents dans le cas d'un scandale l'argent. Et nous allons laisser égader tout, guerrier Dieu seul. Qui ça y a en train de faire en guise de recours? Est-ce que Maître Saint-Louis déjà souligne? Si oui, Nabdil, bonjour, bienvenue sur Caraïbes FM. Public là, et Nab salue tout haïtien, haïtienne, capteur des émissions en matière et ça qui allait en tout. Donc, nous disponibles et disposés pour me répondre à nos matières. Beaucoup Maître Sonnet Saint-Louis parce qu'on mettait au disponible pour Caraïbe FM dans le cadre de dossier ça qui te nous démarrer ti échange là conseil avec qui sentiment client ou qui c'est Maître Raoul Pierre Louis les mêmes les recevoir correspondant ça de la primature qui visait mettre fait à fonction de président li dans tête conseil administration BNC. Le mouelette là
Ferdinand, guerrier, me seulement dit imbécilité et ignorance. Parce que, comment pour m'expliquer, parce que je ne vais pas attendre avec les politiciens et les dirigeants haïtiens. Et parce que pour arriver dans ton pays, on mérite-t-il. N'importe monde pas qu'un gouvernant en ton pays. La corruption, Johnny Ferdinand, c'est une infraction pénale, mais elle a une dimension globale. Dingue. Et c'est comme la drogue, c'est comme le trafic d'âme, c'est comme trafic d'organes. C'est-à-dire, l'infraction, ça, elle est réprimée dans l'ordre interne, tout comme elle est réprimée dans l'ordre externe. Parce que c'est une infraction qui touche la souveraineté de plusieurs États. Dans ce sens, Johnny Ferdinand, Haïti voté en convention, y aurait les conventions des Nations Unies pour réprimer et pour faire prévention des crimes de corruption. Sur le plan interne, Haïti va être mis en ensemble des outils pour combattre la corruption. Nous prenons des textes de loi, nous créons institutions qui ont l'unité de lutte contre la corruption. C'est cette institution-là qui est destinée à la lutte contre la corruption en Haïti. Mais lutte contre la corruption, Johnny Ferdinand, c'est au sein de l'administration de l'État. Ça veut dire que c'est l'État qui dit la combat corruption en danselle, parce que la corruption, c'est un obstacle à la bonne gouvernance. Allô? Allô? Capable de continuer. Oui, parce que la corruption, c'est un obstacle à la bonne gouvernance, c'est un obstacle au développement. Donc, Haïti, comme un paquet de l'autre nation, ils mettent ensemble pour combattre la corruption. Premier bagage pour comprendre, Johnny. Raoul Pierre-Louis, c'est un haut fonctionnaire de l'État. Il a approché des dirigeants de l'État. Il a dit qu'il faut bailler 100 millions de gouttes pour garder poste comme président du conseil d'administration de la PNC. Il y a plusieurs réunions qui étaient faites dans ce sens-là. Il a refusé catégoriquement qu'il ne baille comme là et qu'il n'y a pas de problème pour le bailler. Situation arrivée, non, il a rien à dire. Affligeant. Côté monsieur obligé, fait une rencontre avec le premier ministre Dali Kony pour expliquer la situation. Il met ça à la ville depuis plus que deux mois avec les trois conseillers du conseil présidentiel de transition. Il a raconté tout ça, il a présenté ses faits au premier ministre. Les Libyens consultés comme avocat. Premier bagage, les dîmes, Johnny, les dîmes, tout bagage autant de dans la rue, sur les réseaux sociaux, mettre son nez, c'est vrai. Quoi faire? On dit, est-ce que vous déjà parlé avec l'autorité? Est-ce qu'on écrit un rapport pour décrire la situation? Il dit, non, il ne l'a pas encore fait. On dit, c'est ce qu'il fait. Et puis, on dit, monsieur, ok, pas de problème. Écrit et texte rapport là pour mettre vous le bon mot là et puis m'a regardé l'aim fin corriger et puis Watsien va vous le bail de premier ministre qui est le chef de l'administration du
ce qu'il avait fait. Premier ministre Dalou Conny recevoir correspondance là, lui transférer by ULCC. C'est première information pour qu'on ait. Lui transférer les lettres Raoul Pelu à Bali by ULCC. Donc ça veut dire que ça, Raoul Pelu comme dénonciateur, travail est fini à partir du moment où il finit dénoncer fait de corruption. Yo. Parce que l'acte de perversion n'a pas été dirigé contre Raoul Pelu. L'acte de perversion a été dirigé contre la BNC qui n'est pas l'entreprise de Raoul Pelu, c'est une banque d'État. Deuxième information pour comprendre le dossier. Ce n'est pas une affaire qui engage Raoul Pelu et les trois conseillers. C'est une affaire qui engage les trois conseillers et l'administration de l'État. Parce que c'est Gary Conny qui saisit ULCC. Deuxième bagaille pour nous. Edgar Leblanc fils, dans une déclaration qu'il fait, il était à l'étranger. Les scandales a pété. Il déclarait qu'il reconnaît la compétence de ULCC pour enquêter sous question ça. Donc, dossier A dans l'ULCC, ils font invitation par Raoul Pierre-Louis. Raoul Pierre-Louis allait auditionner pendant plus que 6 heures de temps. Il est accompagné d'un autre avocat, c'est de Wilson Estimé. On a recevoir matin M. Sonnet. Pierre Saint-Louis, qui lui-même fait office d'avocat, et M. Raoul Pierre-Louis, qui est président jusqu'à présent, hein, conseil d'administration BNC, en attendant, bien sûr, installation, commission, bien comité de gestion. Hein, dans tête BNC, qui a gagné BRH, qui a pris la mené, et commission ça, avec M. Sonnet Saint-Louis, n'a pas essayé de garder matin la décision du gouvernement de révoquer M. Pierre-Louis à la tête du conseil d'administration BNC. N'a pas permettre mettre Saint-Louis lui-même les fini ça le t'a dit avant pause là, mais parallèlement n'a tout lancé question ça pour ne faire le fait d'une pierre deux coups. Est-ce que décision gouvernement prend pour révoquer monsieur Pierre Louya lié avec fin mandat lui comme président conseil d'administration ou bien fin mandat conseil là, ou bien avec caducité conseil là, puisque nous connaissons depuis pratiquement et 2 ans et plus conseil là censé caduc, en pile monde quitté, en pile monde parti, ou bien tout est-ce que le tagué pour tout carrément Jean avocat Okoya avec dénonciation monsieur Pierre Louis Tefeu concernant 100 millions gouttes 3 conseiller président Tamandel pour le rester en poste pour mettre continuer monsieur Zin. Très belle question en fait. Johnny Ferdinand. Pas de quel problème pour que autorité de l'exécutif yo choisi mettre yon conseil d'administration à la tête de la BNC. Pas aucun problème. Raoul a été nommé par un arrêté présidentiel. Mais doit gon l'autre arrêté présidentiel qui décide mettre un autre conseil d'administration dans tête BNC. Pas de problème sur ça. Dans temps normal, attribution ça l'idée évolue au président de la République. C'est le président de la République qui choisit le conseil d'administration BNCA. Même Jean avec le conseil d'administration BRH. Et puis, il soumet soit ça devant le Sénat de la République ou il ratifie. Pour qu'on ait aujourd'hui pas de Sénat de la République, nous vivons dans une situation de non-fonctionnement de l'état de droit. Son régime d'exception que nous avons là. Donc, attribution constitutionnelle, ça y a pas qu'à remplir. D'autant plus, le Conseil présidentiel de transition n'a pas un statut de président de la République. L'autre volet dans la question, est-ce qu'il y a avec dysfonctionnement conseiller là? Oui, parce que conseiller là lui-même, c'est-à-dire, il est amputé de 3 membres et ça fait longtemps. Donc, les dysfonctionnements apparents du conseil d'administration n'est pas imputable à Raoul Pierre-Louis parce que diverses correspondances qui s'est adressées avec autorité qui était sous tête Lio, l'imande pour compléter
le conseil d'administration yo pas jamais fait depuis le gouvernement Ariel Henry jusqu'à présent. Non, décision que Gary Conille prend parce qu'il cédé par chantage et pression des membres du conseil présidentiel, bon double erreur. Première erreur qui n'a qui vient dans décision, hein, ça veut dire qui sont décision arbitraire illégale. Bon seul gens que Banque centrale qui a intervenu pour le mettre en commission dans tête BNC, c'est seulement en cas de faillite. La BNC est rentable. C'est une banque solide. Littéralement devant les enquêteurs de ULCC, parce qu'ils n'ont pas qu'à comparaître devant M. Sayo avec la toute-puissance de l'État. Et c'est la raison pour laquelle, à ce stade, nous parlons de l'imbécilité et l'ignorance des membres du Conseil présidentiel de transition. Médecin Louis, nous apprenons vous autres au niveau du cabinet d'avocats qui a assuré défense, monsieur. Et puis, lui a nous parlé, ou bien nous a évoqué pression que CPT a lui-même a fait sur le Premier ministre pour prendre telle décision. Expliquez-nous ça. La République a remis plus de détails. Qui est-ce qui fait pression? Mais ça passe dans la décision. Même si on t'a dit dans la première question déposée à qui est correct, Johnny. L'État, il a le droit de décider de retirer le conseil d'administration. Là. Pas aucun problème. Raoul te dirige Banque là dans un certain temps. Là. Quel te bail rendement, quel pas de rendement, nous devons dire qu'il a changé le demain ou bien de direction. Parce que son fonctionnaire d'État ou qu'a viré qui n'importe côté. Aucun problème. Là. Ça prend arrêté présidentiel ou mettons l'autre conseil d'administration dans tête BNC. Mais en fait, manipulation. Médecin Louis, pardon, dis ça, bonne commande. Allô, médecin Louis. Que BNC est en faillite. Médecin Louis. Pour nous casser Banque là. Médecin Louis, nous parlons de ça échapper. Pardon, dis ça. C'est de la malhonnêteté. Médecin Louis. On bagarre contre ça. Médecin Louis, pardon, dis ça. Ma réponse directement à la question qu'on vous dit. Effectivement, les membres du conseil présidentiel, ils ont pris une décision pour compléter, ou du moins pour faire un nouveau conseil d'administration. Il y a des gens qui posaient candidature, parmi lesquels Gabriel Zéphy. Donc sa candidature a été présentée par Edgar Levenfis pour venir président conseil d'administration. Bon l'autre monsieur qui aurait les Fritznel, il a dit qu'il a été délégué par une partie du secteur privé haïtien qui pour venir diriger banque là. Pas de problème dans ça. Fritz Alfondian décidé pour le faire en entrevue avec deux messieurs saillants devant tous les membres du conseil présidentiel. Cette réunion a eu lieu. L'a interrogé les gens pour leur compétence, intégrité pour faire travail. Et puis, Alfonso a posé les gens questions. Au cours de l'audition, et puis Alfonso a posé une question. Et puis, Gérald, j'ai dit, écoute, j'ai marre pour une question pour toi, monsieur, non? Qui question sont posées, monsieur? Et puis, Fritz Jean répond, monsieur, c'est normal. Vous ne devez pas comprendre. Parce que c'est économisme, ou même c'est médecin. Soit parler de prostate, ne pas comprendre ce que vous dit là, et normal, ou pas comprendre ce que vous dit là. Dans l'audition. C'est-à-dire, justement, pour montrer qui conflit, qu'a traversé le conseil présidentiel là pour chaque monde mettre monde par eux pour dévalider la Banque nationale de crédit. Gabriel Zéphy, au cours de l'entrevue, c'est lui-même qui t'est révélé les compétents et les performants. Son Jemzou, candidature, s'est présenté par Edgar Leblanc. Terminé avec l'entrevue, on passe au vote. Et puis, le Fritz Jean a attendu que l'équipe plus performant que c'est lié au voté. Même Edgar Leblanc fils qui était venu avec candidature, Gabriel Zéphy va voter pour Gabriel Zéphy. Il a voté pour Fritz Jean. Fritz Jean vexé. Lui, ça c'est corruption. Ça c'est corruption. Ça c'est
perversion, ça c'est malversation. Et c'est pas ça y a attendre de nous comme conseiller. Nous te vinn là pour nous vinn faire transition de rupture. Fritz Jean a adressé une lettre, cette lettre est publique. La presse gagne rien pour nous chercher. L'idée c'est une lettre li pour le bas Edgar Leblanc et tout membre conseil présidentiel yo copie conforme à Gary Conny pour dénoncer situation ça. Devant cette évidence, les gars ouais, ont pas qu'à avancer encore parce que trop conflit au sein du conseil présidentiel pour nommer. Parce que de côté, il y a trois nègres qui ont demandé 100 millions de gouttes pour l'autre monde, ça n'a pas marché. Et puis, pas ouais, comment pour compléter ou bien mettre un nouveau conseil à la tête de la BNC. C'est ainsi que la décision a été prise par Fritz Jean. Il dit en bas BRH, mettez en commission dans la tête BNC. Contrairement, c'est-à-dire de façon, c'est-à-dire contrairement à faire la loi de 2012, il dit sous question banque et institution financière. Yo. Parce que la loi ça dit, c'est seul en cas de faillite que BRH a mis en commission dans la tête BNC. Or, la BNC n'est pas en faillite. L'aide des politiciens médiocres et corrompus décider pour nous passer un gouverneur banque centrale l'ordre pour nous faire violer la loi. Et si le gouverneur banque centrale l'a fait ça, m'a conclu qu'il n'a pas de tempérament, il n'a pas de caractère. Et c'est ça que fait ouais population, hein, citoyens en Haïti, ils n'ont pas respecté le monde à l'école, ils n'ont pas respecté l'intellectuel. Parce que n'importe qui politicien corrompu, n'importe qui politicien médiocre, fait n'est qu'à l'école, fait n'importe qui bagaille, même s'il est en train de dormir et en doctorat. Maître Sonnet Saint-Louis. Tout à l'heure, nous notons qu'on dit le dysfonctionnement du conseil d'administration de la BNC n'est pas imputable à M. Raoul Pierre-Louis. Bon, demande ça pour l'édification du grand public. Un, est-ce que mandat actuel conseil d'administration BNC, présidé par M. Raoul Pierre-Louis, l'y fini? Si oui, exactement. Si oui, est-ce que nous obligés gagner un arrêté présidentiel pour nous mettre fin à fonction président ou bien à fonction conseil là tout carrément puisque mandat est fini depuis quelque temps. C'est la vie, il y a pas comme une lettre bah aux fonctionnaires de l'État. On a arrêté, c'est une décision administrative prise par une autorité hiérarchique. Ça veut dire on a arrêté, remplacé, on l'a arrêté. On pas besoin de voir un autre by Raoul Pierre-Louis pour dire qu'on révoque. Ça veut dire on fait ça. Ça veut dire par contre que l'administration de fonctionnement même de l'État. Ça veut dire on a arrêté, remplacé, on l'a arrêté. Ça veut dire on met l'autre conseil dans tête d'administration. Hein? Le coup pour arrêter ou nommer un nouveau conseil, et nouveau conseil ça, arrêter qui nous veut, nouveau conseil ça, lui mettre fin à l'ancien arrêté. Aussi simple que ça. Pour même médecin lui, l'étape et élégant si c'est on arrêté que tu es sorti et puis qu'il te mette commission ça. Et puis du coup, automatiquement, mandat conseil ça. Ou pas mettre commission. Ou pas mettre commission. Non, si c'est ta décision, si c'est ta décision, CPT à notre collègue gouvernement. Oui, c'est vous. Mettons un conseil d'administration. Parce que l'on met en commission là-dedans, ça veut dire banque là en faillite. Oui, mais ou pas connaître. Laissez-moi violer la loi. Attendez, mais c'est lui, c'est votre parole contre celle du gouvernement. Ça veut dire qui ça? Ou même on dit banque là pas en faillite, peut-être ou pas connaître qui ça ou gain comme données qui fait que vous obligé gain recours à commission. Non, écoutez, attendez. C'est où dit nous banque là pas en faillite. Écoutez, c'est pas rhétorique dans bouche dans faillite. La faillite là sont mesures judiciaires. Donc la faillite doit être constatée. Donc s'il est en faillite, vous comprenez bien, Johnny, raisonnement ça me fait d'aller. C'est après échec tentative pour le mettre conseil d'administration parce que chaque monde est démunio. Donc, Gabriel Zéphy, c'est lui qui a choisi. C'est lui, Edgar Leblanc, qui a choisi. Même Edgar Leblanc n'a pas voté pour monsieur parce que les forces souterraines maléfiques. T'es obligé de pas voter pour Gabriel Zéphy, là, de voter pour Christel. Devant la protestation des Fritz Jean, n'est-ce qu'il a abandonné la procédure
et puis on dit bon box central dégage on met ton monde dans tête donc là son bagaille mafia qui a réglé c'est ça pour comprendre. Deuxième bagaille pour nous encore c'est pas révoquer ou pas révoquer Raoul Pierre-Louis dans situation juridique il y a c'est la loi qui dit pour protéger environnement professionnel lui ou pas révoquer bon. Donc il bénéficie de la protection de la loi parce que c'est le dénonciateur. Donc il doit bénéficier de la protection de l'État ou pas faire ça dans un moment ça. On après le finir avec ce palin d'affaires matin alors on regarde l'article ça qui datait 2019 donc conseil d'administration BNC a été 5 membres elle était nommée sur une arrêté présidentiel qui datait 21 novembre 2019 pour 3 ans donc ça veut dire 2019 là nous en 2024 ça a déjà fait deux ans depuis mandat conseil ça Kaba et Johnny s'est parlé tout à l'heure là de yon article que Gazette écrit côté que Lydie nan yo ULCC audition monsieur Pierre-Louis hein? Ouais nan audition donc monsieur Pierre-Louis dit que gagne chauffeur Gérald Gilles qui était venu dans un pick-up. C'est ça, avec un gros valise pour capable venir chercher 100 millions gouttes là. Donc moi t'as vu Mado, si monsieur déplacé, alors si c'est vrai, on déclaration pareil, si monsieur déplacé conseiller à ta voyer chauffeur venir prendre l'argent. OK, est-ce que ça t'a voulu dire que tu es déjà en tête pour l'argent t'es bailli? Écoute, vous connaissez un principe de confidentialité. Ça veut dire si LCC est demandé pour chauffeur ou bien sécurité et de la ville de vente, c'est que le gain pour le là, c'est une très bonne chose. Parce que Raoul Pierre-Louis a fait déposition devant les enquêteurs de l'ULCC, il a accompagné une audition qui était durée jusqu'à 6 heures de temps. Donc, ça qui est important pour le suivi de l'enquête, c'est que les trois conseillers dans ce scandale de corruption doivent être démis de leur fonction parce qu'ils ne peuvent pas comparaître devant les autorités du FLCC avec la toute puissance de l'État. Et ça n'attend pas le principe de l'égalité des actes appliqués au procès pénal moderne. Donc, ils doivent être démis pour une question devant l'entité du FLCC. Et c'est ça qu'on apprend que cette décision doit être prise par les conseillers. Sinon, qu'il y a coupable de complicité, de corruption. Parce que c'est toute exigence qu'ils ont fait, que ce soit au niveau interne et externe. Parce que question est bonne question, c'est seulement, c'est corruption sur l'infraction globale. Trois fois des semaines, ça m'a mis des rares. Sorti en article pour nous parler de corruption. Les devoirs au Canada sont dévoilés pour parler de corruption. C'est une infraction globale. Et c'est l'État qui va résoudre la combat de corruption. Il n'y a pas des engagements au niveau international. Mais par rapport à ces engagements, nous demandons que les conseillers puissent démissionner pour aller répondre aux questions devant les enquêteurs. C'est aussi simple que ça. Parce que Haïti, c'est un État de droit. Un État de droit, ça veut dire la soumission des gouvernants. Au droit de la loi, même si c'est le citoyen, et c'est ça la vie là. Haïti, c'est pas une république autoritaire et totalitaire, ou c'est un groupe de citoyens qui ont décidé la constitution de ce pays. Médecin Louis, est-ce que vous pensez révocation Raoul Pierre-Louis a capable d'influencer l'enquête ULCC dans un sens ou bien dans l'autre? Et puis pour nous tout finir, Médecin Louis, qui ça nous-mêmes nous comptons faire? Après, bien sûr, et révocation, M. Pierre-Louis, pour nous capables de permettre que nous gagnions de l'autre étape qui franchit, parce que nous estimons que nous n'avons pas bénéficié de protection. Jean Laloi lui-même lui demande ça. Eh bien, à ce moment, il y a contraint le gouvernement pour faire face à l'obligation qu'il y a au niveau international pour protéger l'État, du moins, pour bénéficier de toutes les garanties de la loi. Une institution et puis pour combattre la corruption. Donc, ne pas le faire, ça va constituer une faille totale du gouvernement. Et rappelez bien que nous sommes une faction globale
Donc si justice haïtienne a montré qu'il faille de la justice internationale à une question, le conseil de Johnny Ferdinand, c'est pas de l'État qui sanctionné pour corruption à grande échelle au Canada ou aux États-Unis. Donc tout ça va terminer. Donc les corrompus et les corrupteurs vont être poursuivis partout où il reste ce cas. Sonnet Saint-Louis, nous t'écoutons, fait-il parler ça avec vous.